Hey, salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour le 14e épisode de notre série sur Tropico 5, la version espionnage donc. On est dans la campagne du Toucan Maltais, ça se passe bien, je sais même pas si c'est la dernière, en tout cas pour cette mission, que ce soit la dernière ou pas, je vais me donner les moyens que ça tienne en 25-30 minutes, puisqu'il me reste encore 16 suspects, on va voir ce qui se passe. Et puis je vais appliquer les méthodes staliniennes qui m'ont été conseillées dans les commentaires, j'étais en train de regarder ça juste avant le début de la vidéo. Donc on pourrait faire de la manière suivante. Alors je vois que ceux qui m'aiment pas trop, c'est les écolos. Et puis parmi eux, ceux qui m'aiment... il y a un rebelle, il y a Lola. Bonsoir. Bianchi. Voilà. Eh ben Lola, je suis navré, mais c'est l'heure de la purge stalinienne. Espion loyal, tiens, non. Bon. Espion... seigneur du crime. Eligio Vargas. On va te tuer. Je sais pas si ça va pas un peu les agiter dans la faction des écolos, hein, d'ailleurs. On verra, ça peut être marrant. On peut revenir comme ça en arrière. Et puis, je sais pas, moi, chez des capitalistes ou... on va voir chez les capitalistes s'il y a des gens qui m'aiment vraiment pas. Là, il y a un rebelle. Ah, c'est la même, décidément. Katia Vargas. Enchanté. Tu es. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Son adoration, les militaristes, évidemment, je les ai vraiment gavés, les religieux. Il y a du rebelle. Je sais pas, ils sont rebelles, mais ils m'aiment bien. Espion loyal. Ah, encore Lola Bianchi, décidément. Ouais, il faut éviter de se faire le chef de faction, j'imagine. Autrement, qu'est-ce que il y a comme autre faction chez les communistes, même si tout le monde m'aime. Espion loyal. Ça, je vais pas me les faire si c'est des espions. Bon, on va déjà voir comme ça, c'est pas vraiment une grosse purge, mais bon, il y en a quelques-uns qui ont giclé. On met en marche. Il y a encore des troupes qui sont en train de rentrer, oui. Alors, non, une grosse araignée tropicale, présidente. Menace rebelle. C'est la crise. Menace rebelle. Bon, j'ai pas mal de soldats, mais je... c'est, au niveau de la santé, c'est pas top. Ce que je pourrais faire en attendant, c'est que j'améliore... mes cliniques, est-ce qu'il y a moyen? J'arrive même pas à les reconnaître, donc voilà, ça c'en est une. On va mettre les payer au maximum partout déjà. Tac, augmente le nombre maximum. Présidente, ouais, nous n'avons rien fait de productif depuis notre dernière découverte. C'est vrai. Nous avons presque... Et puis, les recherches, là, gros porteur, programme spatial, programme nucléaire. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Atome pour la guerre. Ou le programme spatial. Je sais pas trop. Allez. On va faire ça comme ça. Et puis la constitution. Ouais, la dernière fois que je l'ai changé, j'ai pas eu des super... j'ai pas spécialement envie de changer pour l'instant. Bon, je suis à 58%. Je vais peut-être construire un hôpital en plus. Parce que c'est à 16% la santé. Ça pourrait aider, je pense. S'il me laisse le temps. Station de... hôpital, 12 060 électricité, ça devrait être bon. Et on va le faire par là. Je sais même pas où il est l'ancien. C'est quoi qui est usine de meubles. Il y a personne qui bosse là-dedans. Pas de directeur. Kitsu. Non. Propriétaire terrien truste. Non, il y a personne qui me dit là-dedans. Je peux pas augmenter leur voilà. On va augmenter jusque là, voir si ça fait venir un petit peu plus. On nous envoie de l'argent. Est-ce que je vais peut-être aller un poil plus vite? J'aimerais bien voir cet hôpital construit d'ailleurs. Je pourrais me permettre de faire quelques logements. Là je vois qu'il y a des bidonvilles. Tac. Allez, des apparts. Ici, est-ce que j'arrive à le caser? Voilà, comme ça. À côté du nouvel hôpital. Construction rapide, c'est 12 000. Je pourrais presque me le permettre, hein. Ah, non, on va mettre la priorité. Allez, on va pas être trop greedy. Allez, on va les payer à fond, eux aussi, dans les points de contrôle. Je pourrais aussi en construire quelques-uns pour améliorer là. Super ordinateur amélioré. Il me semblait que je l'avais fait, ça, par contre. Le super... il est là. Ah, c'est débloqué à partir de temps moderne. Et Deep Green, j'avais pas acheté. Voilà. Ça, c'est pas bon, du coup. Attendez. Ah, voilà, ça a disparu. J'avais dû oublier de le faire ou je l'avais mal fait, comme ça m'arrive souvent.
Alors 57%, ça continue à descendre. Les boîtes de conserve, c'est bientôt fait. Bon, cet hôpital, il se construit. Aucun travailleur. Décidément, c'est que je mets des salaires tellement hauts que... Et puis en plus, je crois que j'ai même pas assez de gens pour pourvoir. J'avais, je crois, 200 emplois à pourvoir. Ok. Bon, détruire les bâtiments militaires, non, je vais plutôt soudoyer si j'ai de l'argent. Les USA ont lancé une nouvelle initiative, appelée... Pourquoi pas. Je les flattais en allant ici... Ah non, je dois les inviter. 42 neutres, ouais, c'est pas plus mal. Voilà, on va s'améliorer. Ces Amerlocs savent s'amuser. Cigares, alcool, chasse aux communistes. Ah, non, on va prendre limite. 10 000, là. Ok, les conserves, c'est en bonne voie, et puis on peut se permettre de voir ça. Ah non, c'est le, évidemment la quête principale, on n'est plus qu'à ses suspects, je pense qu'il faut que je fasse des points de contrôle jusqu'à plus soif. Points de contrôle, voilà. Et puis on avait dit que c'était avec contrôle ou avec shift, je sais même plus, j'ai oublié. Ah bah ça devait être avec shift ou alt d'ailleurs. Décidément, j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, on va essayer avec Alt. Non, c'est pas avec Alt, ça doit être avec Shift, alors. Ouais, c'est Shift. Non, ils vont pas faire un mètre sans qu'ils soient contrôlés, les mecs. Ça, je suis sûr, ça altère un peu mon économie. Parce que ça ralentit le trafic. Là, il y en a un, là. Genre... vos papiers, s'il vous plaît, on me les a demandés il y a 50 mètres là-bas. Ouais, bah, je m'en fous, c'est vos papiers. Que... Là, il y en a aussi. Bon, allez, on va avancer un peu. L'hôpital est fait. Ces malotrus ont eu le culot de kidnapper notre ambassadeur et exigent maintenant une rançon. Oh, quel rustre! J'en mords de la main. Après tout ce que nous avons fait pour eux. Ne rien faire, je perds le moment. Je peux envoyer la. Puis la rançon, c'est. On va essayer, tiens. Non, mais j'ai pas d'argent. J'envoie l'armée. Allez, non, je préfère offrir une rançon, je la sens pas. C'est oui. 10 000. Inutile de pas. Bon. D'ailleurs, où c'est que j'en suis là? Là, il y a 50 000. Et là, il y a 15 000. Bon, bah, ça devrait suffire. Je sais pas, je ne la sentais pas trop de d'envoyer l'armée. Oui, inutile de partir. Je peux, toujours pas. Oui. Voilà, c'est fait. Ouais, on n'en parle plus. Ouais, c'est bien remonté de 57 à 65. Ça, je pense, c'est l'effet de l'hôpital. Je me demande si je vais pas en faire un autre, parce que si, mince. Je voulais l'almanach. Hein, 3 suspects blanchis, plus que 5 suspects, ça avance. Ouais, bah, je crois qu'il faut que je fasse des points de contrôle. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit dans le jargon. Donc, santé 48. Hein. Ouais. Je pense que je vais me refaire un hôpital. C'est rentable, j'ai 24 000. Ouais, j'aurais vraiment. Il faut vraiment faire attention à ça. Je sais pas, je vais voir après la menace rebelle si ça a joué. Allez, bam. On va pas mettre de priorité. Bon, en attendant, j'ai beaucoup investi. Ça coûte à l'entretien, j'ai augmenté les salaires. Ça, je gagne combien? Ouais, bon. C'est juste pour améliorer mes relations avec les capitalistes. Je suis furieux. Quoi? Je n'arrive pas à croire je voulais aller ce qui vient d'arriver. Ça remonte en plus. Bon. Et là, il n'y en a pas ailleurs. Non, ils sont juste là. Et puis, ils sont déjà cernés par l'armée. Il y a les tanks, il y a tout le monde qui leur tombe dessus. Ils sont juste 2 unités. Alors, c'est une mini attaque rebelle. Bon, je perds du fric là, quand même pas mal. Ça va, il y a 30 000 qui attendent là. Et puis, le bateau devrait arriver maintenant. Excellent. Ok, bon, bah voilà. Là, les rebelles, tranquillou. En plus, j'ai l'autre hôpital qui vient d'être fait. Je vais juste voir au niveau de la production d'électricité, mais il me semble que j'étais large. Hein. Ouais, plus que large même. Hein. J'ai presque... J'ai 100% d'énergie disponible. La petite
sauvegarde. Avez-vous perdu la tête? Les problèmes que vous pensiez vraiment qu'avec votre uranium en boîte, vous n'aviez aucun risque de vous faire prendre? Merde. Payer pour étouffer l'affaire, remplacer les boîtes de conserve par de l'aide alimentaire. Non, je vais payer pour étouffer l'affaire. 15 000. Allez. On a les moyens. Bon, plus que 5 suspects. Plus que 5 suspects. Bah, je crois que je vais construire 4 ou 5 postes d'espionnage. Enfin, je dis vraiment n'importe quoi, point de contrôle. Alors. Ici, on a partout. Non. J'essaye de voir des endroits. Voilà. Ici, c'est pas mal. Là, il y en a déjà un là. Il y en a deux, même quasiment en face. Je me demande si ça compte. Là, on sait pas trop ce qu'il y a à contrôler, mais on va le contrôler. À la sortie de la mine, hein, des fois que. À côté du cirque. Là, non, il y en a déjà. Du site balnéaire. Voilà. Là, on sait jamais. Tout le monde est suspect, jusqu'à preuve du contraire. Là, j'en ai... Ah si, j'en ai fait. Oui, il y a plein de bidonvilles, là. Ah, bah, j'ai plus d'argent. Voilà. Ça, c'est fait. Presidente, les tropiciens attendent les élections l'année prochaine. Ils vont voter pour moi, c'est clair. Ah, il y a encore des petits rebelles qui se font démonter par les tanks. Pan. Voilà, on est en vitesse rapide, évidemment. Pan. Bon. Moi, je croyais que l'attaque rebelle était terminée. Ouh, je suis à moins 18 000. Deux suspects. Il n'y a plus que trois suspects. Nous avons vaincu les rebelles. Très bien. Je n'arrive pas à le croire. Comment a-t-elle pu me trahir? Il avait enfin trouvé l'amour de voilà, mamie. Je savais. Et pour couronner le tout, nous habillons les toucans. Nous sommes allés chez elle pour fêter ça avec une bonne bouteille de vin. Et quand je me suis réveillé avec une terrible migraine, elle avait disparu avec les toucans. Oh putain. Bon, bah voilà, il me semblait bien que c'était pas la fin. Alors, au moins déjà, hein. Bon, bah la mission est gagnée du coup. Juste avant les élections, désolé, mais bon, j'allais les gagner, hein, j'en suis sûr. Bon, bah très bien. Ça fera un épisode un peu plus court, là. Je crois que ça fera un tout petit peu moins d'un quart d'heure. Je pensais pas que ça irait aussi vite, j'ai pas eu besoin de faire de montage. Et puis, la mission suivante, c'est drôle de boîte, inondée de tropicaux d'entrepôts remplis de caisses pour forcer le temps et le destin à jouer leur rôle. Ok, bon bah écoutez, on se laisse sur cet intitulé un tout petit peu mystérieux. C'était DRK36 sur Tropico 5 et je vous dis à très bientôt. Ciao !